Ah ouais. Ah. Damn. Ah d'accord, ok. Ça va messieurs? Alors déjà toi t'es détendu? Ah ouais. Vraiment? Oh il est bien. Oui. Oh il est bien lui. Il est bien. T'es bien là. Ouais. Donc. Ça va monsieur? Toi. Vous vous sentez bien? Je sais pas comment t'es mort. Wow. Vous allez bien madame? Mais y'a un feu. Comment ça y'a un feu? Y'a le feu monsieur, y'a le feu. Y'a un feu là. Regardez, y'a le feu. Ah moi je le vois pas le feu. Vous voyez pas le feu? Ah bah t'as fait rien à cause du feu. Oh mon dieu. Comment il est passé la vie? Mais par contre, ouais. Mais là, le médecin, il est en train de lui bouffer le cul. Yam. Quoi? Hein? Oh là, la marée chaussée. Pardon? Ah, j'ai dit, faites attention à la chaussée, ça glisse. Faites attention, vous aussi, de pas glisser sur ouais. Marie chaussée. D'accord. Du coup. Sœur Marie, Marie-Jeanne. J'aime les patates. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-moi, je peux venir chez vous? Pourquoi? Parce que je veux me frotter à vous. Eh mais c'est joli chez vous. Eh mais laissez-moi rentrer. Mais ça de là, sors de là tout de suite là. Je n'ai pas de douche, mais j'ai un lave-vaisselle si vous voulez. Ah, vous avez pas de douche, de vous lavez pas, c'est ça? Je vais me laver avec les couverts. Oui, c'est correct. Et les vaisselles. Je vous souhaite une bonne continuation, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi, monsieur Congo. D'accord. Au revoir. Ah, le voilà mon beau véhicule. Oh là, ça ronronne, ça. Allez, on va aller chercher du boulot. Oh putain. Attention, monsieur. Ah, ça commence bien, là. Tu peux me donner ton nom, s'il te plaît, vite fait? Non, non, tu vas te faire enculer bien propre. Voilà, non. C'est lui qui a buté trois flics. Y'a légendaire dans l'arme, sanguinaire dans l'arme. Voilà. Oh, bien, là. Bravo. Ok, on continue, monsieur. Est-ce que mon lit continue à chanter, quoi? Bon, moi, je vais devoir quitter mes fonctions. Ah, bah, pas de soucis, monsieur. On s'arrache les champs, y'a. Sous la bite de Salomon, tranquille, t'as dans le gros sur la saumon, y'a. Saint-Valentin, Philippe, Owelson. Hey, y'a un monde cruel, un monde de but, un gros homme. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rigolez, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? C'est beaucoup. J'ai parlé de ce monde, du coup ça vous fait rire. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Pourquoi j'ai un carton sur la tête? J'ai pas prendre des tarons dans le vrai. Je ressemble, je suis galbé comme une putain de crevette. Hey, chapeau sur la tête. Chapeau sur la tête. Tête. Ah, ah, des barres de rire quoi, genre on rigole avec le copain. Des barres dans le cul. Ouais. Salut. Ah ouais. Ouais, la grosse barre là. Ah mais c'est pas possible là. Je me casse d'ici moi. Ah venez bah, attendez là. Garez moi dans le fion là par ouais, monsieur. Je vous mets les sirènes dans les fesses. Mets moi le crochet Janel. C'est un pro play, y'a des vies, c'est pas mignon. Charcuterie tranquille, je cultive des champignons. De la weed cassé dans le magasin CC. Y'a le bécac jamais ouvert. Quand il est ouvert y'a des fleurs partout. Wow. Oh là là. Bonjour messieurs, je suis mécanicien de la ville. Est-ce que vous désirez une réparation? Non, ça va aller, merci. Notre véhicule va très bien. D'accord. Vous êtes jumeaux? Pardon? Vous êtes jumeaux, vous ressemblez beaucoup. Oui, tout à fait, on est jumeaux. D'accord. Votre crâne est soyeux. Ah oui, c'est vrai que j'ai un beau crâne, c'est mon costume d'Halloween. Ouais. Simple, yo, parlant de ça là, et cette ville est toujours en train d'exploser. Les feux rouges sont pas respectés comme les policiers dans la ville. Dessa. Tour. Tour. Tu fais quoi? Demi-tour. Dessa. Vous avez volé votre véhicule? C'est mon véhicule, arrêtez-le. Ok, bouge plus, première sommation. Deuxième sommation. Non, mon véhicule. Attention, vous tirez. Non, mon véhicule. Non. Eh, mon pied, Nounou. Mon beau camion. C'est une chevrolette, ça, c'est pas un camion. Une chevrolette. Vous avez fait ouais, une quoi, chevrolette. Une mistinguette. Wow, putain. Oh, merde. Non, vous avez pas le droit de passer ici, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous savez que vous êtes très beau, parce que vous êtes chauve comme moi. Ah, merci, très beau. Ah, merci. Mais c'est vous qui êtes beau. Allez, circulez, monsieur, s'il vous plaît. Oula. Joli véhicule. Quoi dans le coffre? Bon, j'ai plus d'argent, donc je me contente de pas manger, mais super bonne idée. Clochard. Merci, je vous remercie. Merci, monsieur. Vous êtes très compréhensible envers ma pauvreté. C'est bien toi qui t'es aidé hier, tout à l'heure, avec moi. C'est bien toi qui t'es aidé derrière le magasin Burger King. Oh, il a cassé la barrière. Ouais, les barrières, ouais.
Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux vous parler de ce one s'il vous plaît? Je vous promets que j'ai pas cassé la barrière. Je vous promets que je l'ai pas cassé. Waouh! Ah lui il a cassé lui. Vous savez quoi monsieur? Ceux qui touchent à la barrière touchent à ton arrière-grand-mère. Donc allez-y monsieur, défoncez-les. Bé. Ah, la barrière. C'est faux, totalement faux. Eh la barrière, tu en l'appliques. Mais quoi, c'est totalement faux. Tous les jours. Oh Nyonyama! Oh Nyonyama! Oh Nyonyama! Nyonyama, on prend le tambour! Attendez, sur le tambour, les copains! Et Nyonyama! Le prochain qui parle! Oh Nyonyama! Voilà, il m'a bloqué, frère! Nyonyama! Le prochain qui parle! Nyonyama! Prends un coup de taser! Oh! Détalez-vous de la circulation, s'il vous plaît! On en a marre, on paye des impôts! On en a marre, monsieur l'agent! On en a marre! Une fois! Deux fois! On en a marre du Covid! On vous embarque. Allez, vous montez dans le véhicule, le premier, allez hop. Dans le véhicule. Ouais. Arrêtez de les mettre les gyros là, je suis pas un criminel, bordel. Malade celui-là. Ils sont fous ces policiers. En plus, outrage à agent, ok. Comment ça, outrage? Mais il est fou lui, j'ai dit quoi? Attends, mais suivez-moi monsieur, c'est par là. Oui, je vous suis monsieur l'agent. Merci. Alors, monsieur, vous savez pourquoi vous êtes là? Parce que votre collègue, il est désagréable. Bah non, le souci, c'est qu'il fait son travail. Le problème qu'on a avec vous, monsieur, c'est que vous avez... désobéi à quelques règles, ça, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Trouble à l'ordre public, vous étiez en train de faire une manifestation très clairement sur la route, chose qui est interdite et qui, d'ailleurs, vous encourez une peine de prison pour ça, monsieur. Hein. C'est vraiment un On a le droit de manifester. Mais manifestation, il faut d'abord avoir l'accord de la police. Et bien sûr, bah, si une manifestation se fait sans l'accord de l'État, monsieur, elle devient illégale, vu que vous n'avez pas notre accord. Mais on vient d'abord prévenir la police, comme quoi il y aura une manifestation à cet endroit-là, pour qu'on puisse barricader un peu les routes, pour qu'on puisse prévenir la population que cette route sera pas praticable pendant un certain laps de temps, vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez une manifestation sans prévenir personne, sans que plus personne puisse passer, et justement, vous avez vu tout le grabuge que vous avez fait. Il n'y avait personne qui puisse... Non. Laissez-moi parler sans me couper la parole avec vos ventilateurs là dans la bouche. Là. Alors, je vous explique. Nous, en fait, on n'était pas très contents parce que on en a marre de payer des taxes, etc. Donc, on a décidé de... Il y en a marre. On a décidé de faire une petite manifestation. Ce qui est totalement logique, puisqu'on a le droit. On a un peu abusé, on est allé sur la route, etc. C'est un peu parti en cacahuète. C'est vrai que votre collègue a été un peu cow-boy à nous menacer avec son taser. Ça nous a pas aidé, on s'est encore plus énervé. Et le truc a fait que, voilà, c'est parti comme ça. Je suis désolé, messieurs les agents. Monsieur, vous savez que c'était très dangereux pour la population. Les gens qui étaient sur la route, les véhicules qui passaient. Vous auriez pu être coupable d'une... Comment dire? Disons qu'une personne avec vous était sur la route et qu'un véhicule passait, il aurait pu mourir et ça aurait été de votre faute, monsieur. Est-ce que vous en avez conscience, tout simplement? Je pense que monsieur l'agent, vous êtes dans l'extrême. Il a un réacteur dans la bouche, c'est pas possible.